N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. L'avenir de Pep Guardiola à Manchester City reste délicat. Arrivé en 2016 en provenance du Bayern Munich, l'entraîneur catalan a révolutionné le foot anglais avec son style imposant à Manchester City. Cependant, malgré toutes ses dépenses en transfert, Guardiola n'arrive toujours pas en Ligue des Champions et ça fait déjà beaucoup. Encore sous contrat avec Manchester pour les huit prochains mois, le technicien espagnol ne sait pas encore de quoi son avenir sera fait. Cependant, pour parer à l'éventualité d'un départ de l'ancien du FC Barcelone, le club mancunien a les idées claires pour la suite, car il faut avouer que sous la tutelle de l'ancien barcelonais manchester city n'a pas franchi un palier en ligue des champions l'objectif affiché et crié sur tous les toits de la formation anglaise la saison dernière les sky blues ont encore subi une désillusion en quart de finale de la ligue des champions par la modeste formation lyonnaise à la tête du club depuis 2016 le manager espagnol reste sur plusieurs échecs répétitifs sur la scène européenne et forcément cela commence à faire beaucoup cette saison ces hommes ont bien démarré la campagne européenne mais en Premier League, par contre, les citizens se déçoivent. Selon TNT Sports, le remplaçant de Guardiola sur le banc mancunien serait Mauricio Pochettino. Les Sky Blues auraient opté pour l'entraîneur argentin pour plusieurs raisons. Il connaît la Premier League, est un technicien autonome et aime vraiment son développement auprès des jeunes. Il convient également de rappeler que le Real Madrid explore l'option Pochettino comme remplaçant possible de Zidane en absence de résultats. De son côté, depuis son départ de Tottenham, Vietnam, Pochettino profite de son temps, mais il attend d'ores et déjà un nouveau projet. Mieux, l'ancien joueur du PSG se voit bien rester en Premier League. Bien sûr, j'aime la Premier League, j'aime les fans anglais. Je pense que c'est l'un des meilleurs championnats au monde et je pense que pour tout manager, c'est tellement excitant d'être en poste en Premier League, avait affirmé l'ancien défenseur. Néanmoins, il ne fait pas de ce championnat une priorité absolue. Il faut dire qu'il a déjà bien connu l'Angleterre entre Southampton 2013-2014 et Tottenham 2014-2019 et pense pouvoir aller voir ailleurs. Nous verrons. Il n'y a pas seulement la Premier League. Il y a différents championnats dans le monde, différents clubs qui peuvent être passionnés pour vous proposer un défi peut-être un peu différent. Indique celui qui a déjà été cité du côté du PSG, mais aussi du Real Madrid. Selon vous, Mauricio Pochettino serait-il un bon choix pour la succession de Pep Guardiola à Manchester City N'hésitez pas à réagir en commentaire.